prime abord, dans le fond, ce que je viens vous présenter, c'est un petit peu la naissance du village de Vimy ici. Je ne vais pas parler de la bataille là-bas, je laisse ça à mon collègue Carl Pépin. C'est vraiment la naissance du village. On va s'attarder sur comment ça a débuté et pourquoi on a choisi le nom de Vimy ici. Donc, j'ai institué ça un village minier sur la Crète, un peu à l'idée de Mme Céline Roy qui avait intitulé son livre « Mon village minier sur la Crète ». Donc, j'ai repris ça ici. Et on voit un petit peu ici donc, le village de part et d'autre aux alentours des années 1920. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on est situé, c'est environ juste ici, à l'arrière là, des blocs appartements. Donc, le village a quand même très peu changé, je dirais, là, dans son ensemble, à part peut-être la forestation autour. Donc, tout commence dans la région, à peu près toutes les municipalités de la MRC, avec l'exploitation minière. Donc, l'exploitation minière dans la région va se faire avec le chromite à partir de 1889 par la compagnie King Brothers. King Brothers, c'était trois propriétaires, en fait, c'était trois frères, Charles, James et William, qui ont fondé la compagnie King Brothers et qui exploitaient des gisements miniers à l'époque. Donc, ce sont les premiers à venir s'intéresser aux gisements miniers de la région ici à Vimy. Et ils vont le faire à partir, comme je dis, de 1889. En marge de ça, il y a une compagnie qui s'appelle la Bennett et Martin, en fait, qui sont deux associés, qu'on va voir un petit peu plus tard, qui vont aussi s'intéresser aux gisements miniers, de sorte que le 16 décembre 1915, Alexander Robert Martin va acheter les lots de la King Brothers pour un montant de 22 000 $ Donc, on est en 1915 ici, donc on va acheter l'ensemble des territoires qui comprend à peu près l'ensemble du village actuel de Vimy et la portion qui descend là, donc vers les chemins tortueux, un petit peu là, sinueux, vers la mine qu'on retrouve plus bas. Donc, on achète l'ensemble de ces terrains-là. Monsieur Martin va garder à lui-même les terrains pendant 6 mois, de sorte que le 15 mai 1916, il va transférer les propriétés à la Bennett et Martin Chrome Mine, en fait, qui exploite le chromite. Le chromite, qui est un minerai qu'on prend pour la pigmentation à l'époque, autant pour le cuir que pour faire du chrome, donc, ou de l'acier galvanisé, donc pour pas que ça rouille. Et à partir de 1916, il va retransférer en octobre 1917 à une nouvelle compagnie qui s'appelle la Bennett et Martin Asbestos and Chromite Mine. Donc, c'est toujours les mêmes propriétaires qui restent là. Pour vous donner un petit peu une idée, on a ici un petit peu l'arbre généalogique de la société Asbestos, donc la compagnie mère aujourd'hui qui existait. Et nous, on s'intéresse vraiment à la lignée ici, donc Bennett et Martin Chrome, qui vend à la Bennett et Martin Asbestos and Chrome, qui va revendre plus tard à la Thetford Vimy, qui va devenir la Asbestos Corporation. Donc, vraiment, là, juste une petite lignée un peu minière. Qui sont ces deux personnages-là? Donc, Bennett et Martin, non, ce n'est pas un seul personnage, ce sont deux personnes. Benson James Bennett, l'homme que vous voyez ici en haut, c'est le premier maire de Thetford Mines entre 1901 et 1905. Donc, lorsque Thetford Mines prend son nom officiel de Kingsville à Thetford Mines en 1905, c'est M. Bennett qui est en poste à cette époque-là. C'est aussi le premier gérant de la mine King. Donc, on voit encore là les proximités entre l'administration municipale et l'administration minière. Et M. Bennett est un investisseur minier. Il va avoir plusieurs propriétés minières, plusieurs gisements d'exploitation, principalement avec M. Martin, qu'on va voir aussi. Et il est propriétaire d'une somptueuse demeure que vous voyez ici, qu'on appelle le Château Bennett, dans la région. Le Château Bennett, pour vous donner un petit peu une idée de sa grosseur, vous voyez que les personnages en avant, là, c'est une très, très grosse demeure. À l'époque, il y a deux demeures importantes dans la région, le Château Bennett et le domaine Saint-Martin, qui appartient à Alexander Robert Martin. Malheureusement, M. Bennett, en 1924, va être forcé à la vente puisqu'il fait faillite. Les actions de ses compagnies, dont les actions qu'il a dans la fonderie de Thetford, vont très mal. L'amiante va très mal à cette époque-là. Donc, il va être forcé de vendre par faillite sa maison. Et c'est son cousin qui va acheter la somptueuse demeure, croyant faire un coup d'éclat et une bonne affaire à acheter ça à modique prix. Son cousin va également se ruiner, de sorte que le bâtiment est incendié. En fait, il est démoli en 1953 par le feu. Donc, est-ce volontaire, involontaire, on ne le sait pas encore aujourd'hui. Mais il reste encore quelques fondations du bâtiment. M. Bennett, comme je vous dis, est parti dans la faillite, donc est parti un peu dans la disgrâce en quelque sorte. Et il va être inhumé sans pierre tombale le 25 juillet 1939. Et ce n'est que vers 1950 que son ancien chauffeur privé, M. Telesphore Roy Jr., va ramasser toutes ses économies et va faire installer un monument à son patron, donc à M. Bennett, dans le cimetière pour lui faire une certaine reconnaissance. Le second personnage, Alexander Robert Martin, j'ai fouillé autant que je pouvais. Je n'ai jamais trouvé de photo du personnage.
J'ai demandé à toutes les gens que je connais dans le domaine. Un tel portrait ne semble pas exister, malheureusement. Mais M. Martin, effectivement, c'est un associé de Ben St. James Bennett. Il a la plupart de ses terrains miniers dans la Bennett et Martin. C'est avec lui qu'il les a, comme je vous disais. C'est un investisseur minier, qui vient de la région de New York. Lui était venu vraiment ici pour acheter des terres et exploiter des gisements principalement. Et tout comme M. Bennett, c'est le propriétaire d'une somptueuse résidence qui est le domaine Saint-Martin. Le domaine Saint-Martin qui est juste ici. Le domaine Saint-Martin, en 1924, même situation, la faillite le force à vendre. Sauf que lui, au lieu, avant de faire faillite, il va avoir la brillante idée en fait, de vendre son domaine aux Sœurs de la Charité de Québec, qui vont l'utiliser eux, comme résidence puisque l'hôpital s'installe juste en face en fait, du domaine qu'on appelle le pavillon Saint-Joseph ou que les gens connaissent aussi comme étant l'hôpital Brune à Thetford Mines. C'est souvent le nom qu'on lui donne. Donc, et M. Martin va retourner aux États-Unis par la suite, ce qui fait qu'il laisse très peu de traces dans la région, outre son passage dans les mines ici. Donc, ça, c'est nos deux personnages qui expliquent un petit peu le début de l'exploitation minière. Pourquoi donc on donne le terme de Vimy au village? Pourquoi on appelle ça Vimy Ridge? C'est un petit peu plate à dire, mais on ne le sait pas. On ne sait pas exactement, précisément. Il n'y a pas de document officiel qui dit que ici, c'est Vimy Ridge. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est des documents à gauche et à droite qu'on peut rassembler, qu'on peut, en fait, amener à se questionner. La plus vieille trace du village, en fait, la plus vieille trace de la nomination qu'on a trouvée, c'est le 12 juin 1919, dans le journal Le Canadien de la région de Thetford. Et dans le journal, en fait, la petite article ici qui parle de Coleraine, il y a le paragraphe où l'on peut lire « L'on prit le dîner sous les arbres et toute la journée se passa dans des visites au moulin, au puits d'amiante et dans des courses et jeux à l'ombre des grands pins de Vimy. » C'est la première mention qu'on situe vraiment là, un village en tête, un emplacement comme étant Vimy. À part ce document-là, on retrouve aussi une carte que Mme Céline Roy, d'ailleurs, a dénichée à la société Asbestos, une carte de la Bennett et Martin. Donc, on voit vraiment les installations minières et on voit l'ensemble du village. Lorsqu'on agrandit le secteur, on voit vraiment ici donc, la position de tous les bâtiments de la Vimy Ridge Mine, qui appartient à la Bennett et Martin Asbestos and Chrome Mines. La carte, tant qu'à elle, date de 1920 environ, ce qui fait en sorte qu'on est quand même situé quelques années après donc, la bataille, quand même, je dirais 3 ans. Et lorsqu'on veut en fait, associer le mot Vimy à Vimy en France et à la bataille en tant que telle, on va voir l'agrandissement du village. Et le village avait un plan de plusieurs rues. Il y avait la Cambry Street, la Arras Street, Amiens Street, Ypres Street et Vimy Street. Donc, comme je vous dis, on n'a pas de document nécessairement officiel qui dit « Oui, à partir de telle date, on appelle ça Vimy Ridge. » Mais en prenant des documents comme ça, on peut quand même se questionner à savoir est-ce que le lien est vraiment là. Donc, tout porte à croire quand même que ça serait très plausible. On va officialiser le terme Vimy Ridge, vraiment là, en 1922, avec l'inauguration du chemin de fer, donc le 19 juillet 1922, on va inaugurer le chemin de fer reliant le village de Coleraine à Vimy Ridge Mine. Et c'est lors d'un dîner particulier qu'on va inviter M. T.F. Menville, le propriétaire de la compagnie Johns Menville d'asbestos. Et en fait, ce que vous voyez ici, là, c'est le dépliant souvenir qu'on a donné pour le menu de la journée. Et lorsqu'on agrandit le bas, c'est vraiment écrit « Vimy Ridge France, the father of the name ». Donc, encore là, tout porte à croire qu'il y a un lien vraiment entre le village de Vimy en France et le village ici. Comme je vous dis, c'est vraiment tous les documents comme ça qui nous permettent, encore là, dater du 19 juillet 1922. Le village de Vimy a aussi des liens avec l'armée. Donc, ce n'est pas seulement Vimy en France, dans la Première Guerre mondiale, il y a eu un chevalement, donc on a nommé le chevalement Penhale, qui était une mine souterraine. Si vous avez passé où les installations minières en bas du village ou le chemin sinueux, le chevalement qui est là, c'est le chevalement Penhale. Il est encore debout. C'est une mine qui n'a jamais été exploitée. Donc, on a creusé sous terre, on a fait vraiment le chevalement, on a fait le tunnel de descente sous terre. On s'est rendu à quelques centaines de mètres peut-être du gisement. On ne l'a jamais exploité. Pourquoi donc, en fait, les problèmes financiers de la compagnie Asbestos, puisque c'est la compagnie Asbestos Corporation qui possédait à l'époque le terrain. Et il y a aussi la chute de la demande de la ressource en amiante, donc qui a diminué. Pourquoi qu'on appelle ça la mine Penhale? Encore là, on n'a pas de document officiel. Malheureusement, la seule chose que j'ai en tête, c'est lorsque j'ai visité, je vous fais une petite parenthèse,
sous la mine, en bas ici, il y a un bunker, littéralement, où ce qu'ils sont entreposés entre, on estime, 150 à 200 000 plans d'archives miniers de la société Asbestos. Et moi, j'ai toujours cette image en tête que lorsque je suis allé visiter, j'ai reviré dans une bibliothèque et il y avait un gros cartable et c'était écrit « Mine Penale ». J'ai jamais pu prendre le cartable. Okay? Encore aujourd'hui, je pense que j'en rêve et j'aimerais ça savoir pourquoi. Mais en fait, comment j'aboutis à ça, c'est en fait, il y a deux personnages qui ont travaillé dans le monde minier. John Jenkins Penale, qui était, comme M. Binette a dit tout à l'heure, un ingénieur minier de la région et lieutenant-colonel de la première division, ce que j'appelle d'approvisionnement. Là. En anglais, on dit la First Canadian Ammunition Column. Et il y a son fils, Alfred Lloyd Penale, qui était président de la société Asbestos. Et encore là, comme M. Binette l'a mentionné, on a leur descendante, donc la petite-fille de John et la fille de Alfred, Mme Beverly Nicole Penale, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on peut, à partir de ces deux personnages-là, donc relier ça encore là à l'exploitation minière. Un autre attachement au monde militaire, pouvons dire ça comme ça, il y a une mine qu'on a nommée la mine Normandie. Donc, en 1955, cette fameuse Bennett et Martin, qui a été des premières exploitations minières de la région, le 12 février 1955, à minuit tapant, on arrête les opérations de la Bennett et Martin et on change le nom pour la mine Normandie. Donc, on passe d'une opération à l'autre. Et à cette époque-là, donc, c'est M. Alfred Lloyd Penale qui est président de la société Asbestos. Donc, le nom va s'orchestrer là. Et comme je vous dis, on est en 1955, pas longtemps après la Deuxième Guerre mondiale, il y a encore un attachement militaire, en quelque sorte, dans la nomination qu'on va faire du village. En bref, je vous dirais que l'aménagement du village, si on se résume à ça, débute à partir de 1917. C'est-à-dire que les premières maisons, vraiment, les installations qu'on va en faire pour installer des mineurs, pour faire des résidences, c'est à partir de 1917. C'est pour ça qu'on dit que pendant le temps qu'en France, il est en train de se détruire un village à cette époque-là, ici, au même moment, on est en train d'en fabriquer un. Donc, encore là, l'attachement se fait un petit peu à ce niveau-là. Et comme je vous dis, l'origine du nom, c'est un peu triste à dire qu'on ne sait pas exactement l'officiel. En fait, on a l'officialisation dans un document, mais on n'a pas de document là, officiel écrit de la main, par exemple, d'un notaire qui donne le nom de la municipalité. Mais à force de fouiller à gauche et à droite, à poser des questions, on finit par remettre un attachement donc, entre la bataille de Vimy en France et Vimy Ridge au Québec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on souligne un petit peu le lien des 100 ans entre les deux. Et c'est pour ça aussi que cette année, le village fête son 100e anniversaire également. C'est ce qui fait un petit survol de la naissance du village de Vimy. Si jamais vous en voulez savoir plus, je vous invite fortement à lire le livre de Mme Céline Roy, « Mon village minier sur la Crête ». C'est un bijou pour tous ceux qui s'intéressent à ce petit village. Donc, un gros merci. Je passe la parole. La deuxième conférence porte le titre de « La bataille de Vimy, 1917, l'histoire et la mémoire d'une nation ». M. Carl Pépin est originaire de Saint-Georges-de-Beauce. Il est détenteur d'un doctorat en histoire et il est spécialiste de la conduite des pratiques de la guerre. Il a travaillé pour le Dictionnaire biographique du Canada et il est chargé d'enseignement pour le Collège militaire royal du Canada. Il est également conférencier et agit à titre d'expert pour les gouvernements, les universités et les organisations médiatiques afin d'analyser les phénomènes passés et présents liés à la guerre et à la diplomatie. J'ai l'impression qu'il va y avoir ouvert ce soir-là avec M. Trump. Depuis mars, ça donne un bon contrat pour quelques années à venir. Depuis mars 2009, il entretient un blog d'histoire militaire, pour ceux que ça intéresse, qui a reçu 1,3 million de visiteurs au www.carlpépin.com. Monsieur Pépin? Bien, bonjour à tous. Donc, mon nom est Carl. Je suis originaire de Saint-Georges. Et il me fait un grand plaisir, c'est un immense honneur d'être ici aujourd'hui parmi vous tous. Je vous salue tous, messieurs, mesdames, membres des élus de la députation et aussi les descendants des vétérans et également nos vétérans en tant que tels pour lesquels je remercie pour les immenses services rendus à notre pays, le Canada. Donc, je vais vous parler de la bataille de Vimy aujourd'hui. C'est la seconde fois cette semaine que je donne cette conférence-là. La première était à la Citadelle de Québec avec nos militaires du Royal 22e. Parce qu'à chaque année, depuis une dizaine d'années maintenant, je suis chargé de donner les cours d'histoire militaire aux soldats. Dans l'armée, on appelle ça l'endoctrinement. Ça fait nord-coréen un peu comme terme, mais toujours est-il que c'est l'idée étant, par les cours d'histoire, en racontant les faits tels qu'ils se sont déroulés, il s'agit ni plus ni moins que de
de léguer un esprit de corps à nos militaires. Alors voilà, donc, depuis plusieurs années maintenant, je suis en charge au niveau de l'histoire de former les militaires francophones de notre armée. Alors, ben voilà, donc, je vais vous présenter un peu les thèmes. J'ai environ 45 minutes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de passer à travers tout. Il y a beaucoup de choses à dire sur la bataille de Vimy, mais j'essaierai d'être concis, ne serait-ce que pour prendre des questions à la fin, si jamais on a le temps, monsieur. Alors, donc, je vais parler des préparatifs de la bataille. Je sens ça, c'est un gros élément, très gros élément. La bataille en tant que telle, qui, entre guillemets, a paru presque facile, tellement les soldats ont été entraînés, voire surentraînés à combattre. Et le dernier élément, celui dont, et j'en ai discuté avec le député Berthold d'ailleurs, qui fait peut-être le plus de grogne aujourd'hui dans la population canadienne, c'est de savoir quelle interprétation au niveau mémorial pouvons-nous faire de la bataille de Vimy entre les faits et le fameux mythe de la naissance du Canada. Donc, si j'ai le temps, j'essaierai de faire un peu la part des choses dans tout ça. Je vous présente ici la situation sur la ligne de front en 1917. Là, je vais essayer de voir où est mon petit pointeur là-dessus. OK. Lorsque la guerre éclate en Europe, au mois d'août de 1914, les forces armées allemandes ont envahi la Belgique. Ils occupent environ 90 % du territoire. Seulement la petite portion ici, autour de la ville d'Ypres, en Belgique, est toujours entre les mains des forces alliées. Et en septembre de 1914, les Allemands sont arrivés à peu près aux portes de Paris. Alors, la ligne rouge que vous voyez ici, de la frontière suisse jusqu'à la mer du Nord, c'est la ligne de front principale qui n'a à peu près pas bougé entre l'automne de 1914 et l'automne de 1918. Et dans ce contexte-là, la région qui nous intéresse aujourd'hui, de la crête de Vimy, se trouve ici, dans le département français. Parce que c'est l'accent brosson qui ressort un peu, dans le département français du Nord, Pas-de-Calais. Donc, près de la crête de Vimy, vous avez Vimy ici. Je suis désolé si la carte est floue un peu. Ici, il y a une tache un peu plus sombre, qui est la ville d'Arras. Aujourd'hui, les quelques 25 000 Canadiens et notre premier ministre qui ont convergé vers la crête de Vimy ont obligatoirement fait un détour par la ville d'Arras pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le chef-lieu de la région. Il y a des belles tavernes aussi. Mais c'est vraiment une zone stratégique à l'époque. Beaucoup de lignes de chemin de fer, c'est une zone industrielle, c'est un carrefour stratégique qui débloque vers la Belgique au nord, vers Paris au sud et bien sûr vers l'Allemagne un peu plus à l'est. Et vous l'aurez compris, la mer n'est pas très loin non plus. Alors, vous voyez un peu que Arras a quand même son importance à l'époque de la bataille de Vimy. Je vous ai fait, en fait, un zoom de la région qui est ici. Donc, vous avez le secteur d'Arras ici. Ce qu'on remarque, moi, ce qui me frappe à première vue quand je regarde le terrain, parce qu'à la guerre, c'est très important, c'est primordial, avant même d'observer l'ennemi, observer le terrain. Tout ce qui est vert pâle autour signifie que c'est un terrain plat, mais vraiment plat. Les quelques pitons, comme on appelle en bon français de France, les quelques collines autour ici sont des positions surélevées. Donc, vous avez la ville d'Arras, vous avez deux grandes collines dans la région, une qui est Notre-Dame-de-Lorette ici, que les Allemands avaient capturée en 1914. Alors, en 1914, la ligne de front bifurquait un peu plus vers le nord-ouest. Et bien sûr, la crête de Vimy. Et la ligne que vous voyez ici, c'est la ligne de front à peu près à l'automne de 1916, début 1917. Et regardez bien ceci. Trouvez-vous que la crête de Vimy, qui est orientée un peu du nord au sud, est un prolongement naturel de la ligne de front, donc telle qu'on la voit sur le terrain. La crête de Vimy fait, selon les estimés, de 6 à 7 km de long. Mais il faut faire extrêmement attention avec le mot « crête ». Ce n'est pas le mont Everest. Le mont Everest fait 8000 quelques mètres de haut. La crête de Vimy en fait 145. Ce n'est pas la mer à boire non plus. Il faut être extrêmement prudent dans nos termes. Cependant, compte tenu que le terrain est plat autour, bien, quiconque s'empare de cette fameuse crête de Vimy-là dispose d'un excellent observatoire dans la région. Et l'autre problème, voyez la proximité de la crête
avec la ville d'Arras ici, qui, comme je vous le rappelais, il y a une ligne de chemin de fer qui passe ici d'ailleurs, était un carrefour important. Les forces alliées, que ce soit des Français, des Britanniques et des Canadiens, n'importe quel régiment qui manœuvrait dans la région, eh bien, les Allemands sur la crête les voyaient. Quiconque parmi vous a une vision normale, là, je ne parle pas de moi, là, mais quiconque a une vision normale, avec les yeux sans jumelles, rien, vous pouvez voir dans un rayon de 35 km autour de la crête. Imaginez les soldats allemands, notamment les régiments de génie, avec leurs lunettes militaires télescopiques, ça existait en 1914 aussi, la distance qu'ils pouvaient voir, ils savaient tout, ou presque. Alors voilà pour la région. Je reviens un peu sur certains éléments. Ici, j'ai mis un point d'interrogation. La dernière fois, j'ai présenté ce titre-là dans une conférence. J'ai failli me faire arracher la tête parce que, en principe, la crête de Vimy est infranchissable. Un instant. Il n'y a rien d'impossible à la guerre. Tout est possible. D'abord, je vous l'ai dit, c'est une crête qui fait une hauteur de 145 mètres. Deux, mais ce n'est pas ça l'important. Ça, à la limite, on s'en fout. Ce qui est important pour nous, les Canadiens, c'est ça ici. C'est une pente qui est douce. Ce n'est pas la côte d'Abraham à Québec, mais c'est une pente, ou les collines que j'ai vues autour ici, mais c'est une pente qui est beaucoup plus douce. Et l'avantage pour les Canadiens à l'époque, c'est que les Canadiens attaquent de l'ouest vers l'est. Donc, ils montent en pente graduée, peut-être 1, 2, 3 % le dénivelé selon les secteurs. Du côté des Allemands, bien, c'est sûr que du côté est de la crête, le dénivelé, il est un peu plus prononcé. Mais encore une fois, ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas le mont Everest. Pour vous donner une idée à quel point la pente était relativement douce, ici, on a un tableau de guerre, d'ailleurs, que notre ami Bré a reproduit de manière impeccable dans ses artefacts. Vous voyez la crête de Vimy ici? Vous voyez comment c'est une pente qui est relativement douce aussi. Et vous voyez que le paysage autour est plat. Alors, c'est pour ça que je vous dis, le mot crête de Vimy, il est, d'un point de vue terminologique, il est presque juste. Il faut faire attention. Encore une fois, ce n'est pas une position hyper élevée. Avant l'assaut canadien de 1917, on s'est battu énormément sur la crête. D'abord, la crête va être capturée par les Allemands au mois d'octobre de 1914. Et je vous ai dit que la crête, elle est ici. C'est un excellent observatoire. Avant que les Canadiens arrivent dans le secteur au début de la guerre, c'était les forces françaises qui occupaient le secteur face aux Allemands. Et pour l'état-major français, je l'ai écrit assez clairement ici, compte tenu que c'est un excellent observatoire, pour eux, la situation était intolérable, il fallait reprendre la crête à l'ennemi. Et au mois de mai 1915, entre autres, il va y avoir une offensive majeure. Il y a un certain général français nommé Henri-Philippe Pétain, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui commandait le 33e corps d'armée et qui comprenait des éléments de la Légion étrangère, entre autres, sont parvenus non seulement à capturer la crête, mais ils ont été plus loin que l'assaut canadien de 1917. Ils ont été au-delà de la crête de Vimy, du village. Il y a juste un problème, par contre, c'est que les Français ont tellement eu de pertes, leur artillerie était mal préparée, leur renfort était beaucoup trop loin, et, dernier élément non négligeable, les contre-attaques ennemies ont été d'une puissance extrême, que malheureusement pour les Français, ils n'ont pas été capables de prendre la crête. Cependant, vous voyez ici la crête qui fait nord-sud. Ça, c'est la ligne rouge que vous voyez ici, c'était la ligne de front avant l'attaque française de mai 1915. À la fin, au moment où les Canadiens vont arriver dans le secteur, les Français sont parvenus à établir la ligne de front le plus près possible de la crête. Donc, c'est pour ça que lorsque vous lisez sur les sites Internet que les Français se sont butés sur la crête de Vimy, que leur assaut a été futile, qu'ils ont été incompétents, tout ça, c'est de la foutaise. L'armée française a perdu 150 000 hommes pour tuer, blessés, disparus, pour tenter de prendre la crête. Et ça, je pense qu'au Canada, il faudrait, entre autres, souligner cette affaire-là. Ils nous ont facilité la tâche, entre autres, au moment de l'attaque. En 1916, l'armée française doit cependant abandonner le secteur de la crête de Vimy parce que les Français sont débordés dans un tout autre secteur du front près de la Suisse, qui est le secteur de Verdun, où une terrible bataille va avoir lieu en 1916 également. Les Français demandent à l'armée britannique de prendre la relève, et c'est ce que les Anglais feront. Les Anglais
ont vu la dureté des combats entre Français et Allemands en 1915, les Britanniques ne vont pas tenter un assaut majeur contre la crête de Vimy. Ils savent que c'est trop difficile. Donc, comme je vous ai dit ici, en 1916, considérez que, mesdames et messieurs, le rapport de force entre les belligérants demeure inchangé sur la crête. Une particularité toutefois, il va y avoir ce qu'on appelle au printemps et à l'été de 1916 une guerre de mines. Là, ce n'est pas les mines d'asbestos ou les mines de Thetford, là. C'est des mines, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à l'époque, on creusait des galeries sous les positions ennemies. Et une fois qu'on atteignait leur position, on plaçait des explosifs et ensuite, boum. Et le boum, ce que ça donne ça. Ici, pour ceux, j'ai cru comprendre que certains d'entre vous êtes déjà allés sur la crête de Vimy. Les immenses cratères de mines que vous voyez n'ont rien à voir avec l'attaque canadienne de 1917. En fait, ce sont les combats précédents, en 1915 et 1916, où les belligérants se faisaient la guerre à coups de mines, littéralement, que ça a entraîné ce genre de bouleversement-là du paysage. Et d'ailleurs, ici, cette position-là se trouve un peu en retrait de la crête de Vimy. Et vous voyez, qu'est-ce que vous voyez ici, un peu plus surélevé? C'est la crête de Vimy. Alors, quand je vous dis que c'est une pente douce, bien, encore une fois, je reviens à l'exemple, ce n'est pas le mont Everest. Donc, vous voyez, mais quand même, il suffit de tenir les hauteurs le moindrement pour disposer d'un excellent observatoire. Qu'est-ce qu'on peut retenir des combats pré-1917, autrement dit, les assauts avant l'attaque canadienne? Bien, retenez dans un premier temps que l'action du Canada s'inscrit dans une continuité par rapport aux offensives françaises, notamment aux offensives précédentes. Et ici, je pense que j'ai été assez clair dans mon propos. Lorsque les Canadiens attaquent à Vimy en 1917, leurs objectifs sont identiques à ceux des Français en 1915, rappelez-vous. Quels sont ces objectifs? Mettons, moi, je suis le commandant canadien, vous êtes les officiers, on prépare l'attaque de Vimy. Le premier objectif qui est évident, je pense, c'est de déloger l'ennemi de la crête, les tasser de là. Deux, c'est la conséquence logique, il s'agit de priver les Allemands de leur observatoire. Troisièmement, dégager finalement la ville et les alentours d'Arras pour qu'on puisse enfin respirer, qu'on puisse enfin manœuvrer des armées sans risquer de se faire canarder à tout moment. Et le quatrième élément, c'est qu'il s'agit de rejeter l'ennemi un peu plus vers l'est, dans la plaine qu'on appelait Douai, en référence à l'importante ville française qui se trouve un peu à l'est de Vimy. Donc, vous voyez, on en revient aux préparatifs de l'offensive, toujours dans le secteur de Vimy. Ce qu'il faut bien comprendre avec la bataille de Vimy, c'est que Vimy n'est qu'une bataille parmi d'autres, parmi des offensives que mèneront les Alliés au printemps de 1917. En fait, il y a eu trois offensives majeures. Une menée par l'armée britannique, qui incluait les Canadiens, et deux qui ont été menées par l'armée française. D'abord, la première offensive dans ce secteur-là ici, qui inclut Vimy, on appelle ça la bataille d'Arras, bien sûr en référence à la ville, et les Britanniques vont fournir 85 % des troupes, le reste ce sont des Canadiens qui étaient chargés de prendre la crête de Vimy. Et les deux autres offensives, dans le secteur de la Somme ici, et sur une position qu'on appelle le chemin des Dames, seront menées par l'armée française, en coordination, idéalement de manière simultanée. Autrement dit, le corps canadien, notre armée, joue ce qu'on appelle dans notre jargon militaire un rôle de flanc garde. Autrement dit, nous sommes en charge de protéger le flanc nord des troupes alliées qui vont attaquer plus au sud. Et c'est une mission très ingrate. Encore plus ingrat peut-être, et là ça va faire mal à notre égo de Canadien, c'est que le haut commandement de l'armée britannique, le grand maréchal Sir Douglas Haig, il s'en fout de Vimy. Pour lui, Vimy, et je pèse bien mes termes, est un assaut secondaire. Pour Haig, ce qui est important, vous voyez la ville d'Arras ici, c'est de faire craquer le front allemand ici, qui est une plaine, et de pousser l'ennemi pour mieux manœuvrer ensuite pour vaincre les Allemands. Cependant, vous voyez la crête de Vimy qui est ici, si les Allemands réussissent à maintenir leur position et que les Anglais avancent ici, bien les Allemands seront en mesure de tirer dans le dos des Britanniques. D'où l'importance pour les Canadiens de capturer la crête de Vimy,
Mais pour le maréchal britannique, ça demeure quelque chose de secondaire. Parce que lui, le maréchal britannique, ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'attaque d'avril 1917. Lui, ce qu'il veut, c'est lancer une offensive au mois de juillet 1917 en Belgique pour capturer notamment des bases de sous-marins allemands. Autrement dit, au nord comme au sud du front canadien, il va y avoir des Anglais qui vont attaquer. Et les Canadiens ont une mission extrêmement difficile de capturer une colline jugée imprenable. Mais en même temps, leur bataille demeure un peu secondaire dans l'ensemble du dispositif. Et ça peut vous choquer, mais prenez pour acquis que la guerre, c'est quelque chose de cruel et de choquant. Mais toujours est-il qu'il faut arrêter de brailler, il faut préparer l'offensive. On a une mission confiée par les Britanniques. D'abord, vous vous en doutez, c'est une opération très bien préparée. Les Canadiens devront mener un assaut frontal sur des positions qui apparaissaient à l'époque quasiment imprenables. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il est très important de priver l'ennemi de l'observatoire qu'est la crête de Vimy. Et aussi, évidemment, si les Canadiens parviennent à remporter la bataille, à maintenir suffisamment la pression sur la crête de Vimy, bien, ça pourrait contraindre les Allemands à maintenir leurs troupes supplémentaires sur la crête afin que celles-ci n'attaquent pas les Britanniques qui sont plus au sud. Vous voyez encore une fois le caractère ingrat de la mission canadienne. Non seulement il faut prendre une position imprenable, mais en plus, il faut attirer les réserves allemandes sur notre front. Alors, vous voyez? Et comme je le mentionnais, donc, l'offensive canadienne est subordonnée à l'offensive britannique. C'est un caractère ingrat de la mission. Et, bien sûr, une éventuelle défaite canadienne compromettrait l'offensive britannique. Vous voyez ici, je l'ai mentionné, l'état-major britannique, bien franchement, ne croit pas beaucoup aux chances des Canadiens de gagner la bataille. Et d'ailleurs, si vous avez des généraux canadiens, dont le général Arthur Currie, c'était une pièce d'homme, il faisait 6 pieds 4, puis moi je fais 6-6-1, que ça vous donne une idée du personnage, n'a pas le choix malgré tout avec les généraux canadiens, dont le général Byng, de préparer la bataille. Et un des problèmes majeurs pour les Canadiens à Vimy, c'est que nous avons une armée qui est relativement petite par rapport à l'armée des Britanniques. Nous avons 4 divisions d'infanterie, ça représente 80 000 hommes pour attaquer. Je vous ai dit que les Britanniques pensaient que Vimy était une attaque secondaire, si bien que les Britanniques ne nous ont donné à peu près aucun renfort, aucune troupe supplémentaire pour exploiter le succès en cas de victoire à Vimy. Et tout ça, ça veut dire que derrière le front canadien, derrière les bataillons canadiens qui mèneront l'assaut, une seule brigade britannique est disponible pour des renforts, ça représente 4 000 hommes. Mais nous, on en a 80 000 pour attaquer. Et les Allemands, ils en ont beaucoup en face. Alors, ça vous donne une idée, 4 000 hommes, ça peut paraître beaucoup, mais c'est rien, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais toujours est-il qu'à l'hiver de 1916-17, eh bien, le commandement canadien analyse les leçons des précédents assauts, notamment les échecs français, pour éviter de répéter les erreurs. Et tout ça consiste à dire qu'il fallait réduire l'improvisation. Alors, voilà. Qu'est-ce qui fait que la bataille de Vimy a été si particulière? Je l'ai dit souvent dans les médias, avec mes étudiants à l'université et tout. Ce qui fait la particularité de Vimy, contrairement aux batailles précédentes, à l'époque, on entraînait des bataillons en groupe uni. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à chaque soldat, à chaque peloton, à chaque compagnie d'infanterie, voici exactement ce que vous allez faire. Autrement dit, ici, il y a environ 150 personnes dans la salle, c'est, disons, la taille d'une compagnie d'infanterie. Moi, je suis le major qui commande la compagnie. Je vous dis exactement ça va être quoi notre mission sur la crête, à tel lieu, à telle date, à tel moment précis. Donc, chaque soldat reçoit une formation spéciale. On va même utiliser des maquettes géantes pour reproduire le champ de bataille, ce qui était nouveau aussi. Chaque soldat sera doté d'un armement spécialisé. En 1914, à peu près tout le monde dans un régiment canadien avait une carabine. Bon, pas de mauvaise arme, mais c'est pas une arme qui est très adaptée. On en a des beaux exemples. D'ailleurs, si je remercie Gaétan. La carabine, c'est bon, mais pour la guerre des tranchants en tant que telle, ça a ses limites. Chaque soldat va recevoir un armement spécialisé. Beaucoup de grenades, des mortiers de tranchées, des cisailles pour couper les fils de fer devant les tranchées ennemies. Bref, les troupes sont beaucoup mieux préparées.
Et peut-être plus important encore, c'est ce que j'ai écrit ici, un terme bien compliqué, mais qui veut dire, en fait, l'indépendance décisionnelle des unités. Autrement dit, chaque petite unité sur le terrain est autonome. Autrement dit, si nous, notre compagnie d'infanterie, on est coincé sous le tir de plusieurs mitrailleuses, puis que là, vous me demandez, Major Pépin, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? Bien, moi, je n'appellerai pas au quartier général de l'armée canadienne pour leur demander quoi faire, là. Oubliez ça, ça n'arrivera pas. Ce que je vais faire, je vais plutôt répartir mes groupes, puis je vais mener ma bataille sur mon terrain. Autrement dit, l'autonomie qu'avait chaque unité pouvait leur permettre de gagner leurs objectifs sans toutefois compromettre l'ensemble du plan d'attaque qu'avaient prévu les généraux. Et ça, c'est une particularité de Vimy aussi. Autre élément, le climat. Le climat, on n'est pas certain. Les récits se contredisent un peu. On sait assurément qu'il faisait froid le matin de l'attaque. Certains témoins disent qu'il y avait de la neige, du grésil. D'autres disent que dans leur secteur, il n'y avait pas de neige. Mais on s'entend généralement pour dire qu'il y avait une très forte bourrasque de vent qui poussait vers l'est, vers les tranchées allemandes. À la fin de mars 1917, quelques semaines avant l'attaque, des centaines de soldats canadiens vont mener des raids extrêmement meurtriers dans les tranchées allemandes pour aller faire des prisonniers et recueillir des renseignements. Et ça, c'est un détail qu'on oublie souvent, mais cette collecte-là meurtrière a été très utile pour la préparation de l'attaque. Et naturellement, les préparatifs tactiques. Vous vous rappelez tantôt quand je vous parlais des maquettes? Voyez-vous la grandeur des soldats par rapport à la maquette? Chaque soldat de tous les bataillons, par exemple le 22e bataillon canadien-français, chaque compagnie, chaque soldat ont défilé devant la carte et il y avait l'officier qui expliquait à chaque homme: bon, là, on va prendre la ligne brune, la ligne rouge, la ligne bleue à telle heure, telle heure, telle heure. Le lieutenant un tel va rentrer là, le lieutenant un autre va rentrer là avec ses hommes. Tous les détails de la bataille ont été minutieusement planifiés des mois à l'avance. Il n'y avait rien qui était laissé au hasard. Et quoi que le hasard à la guerre, c'est un élément important aussi. Autre élément particulier, et si vous allez à Vimy, je vous invite à porter une attention particulière à ça. Vous vous rappelez des galeries tout à l'heure qu'on parlait, qu'on creusait sous les tranchées ennemies. Les galeries ne servaient pas uniquement à tuer des soldats ennemis, elles servaient également à dissimuler les troupes d'assaut. N'oubliez pas, l'ennemi est sur une montagne, nous on est en bas, on fait quoi? On va-tu se promener comme des codins d'autour puis se laisser tirer dessus? Ah non. Il faut creuser des galeries pour cacher les troupes le plus près possible de l'ennemi avant l'attaque. Et des dizaines de kilomètres de terrain ont été creusés en ce sens-là. Et aujourd'hui, si vous allez à Vimy, un de ces souterrains-là, le souterrain Grange, je le connais bien, j'ai donné 800 visites dedans. Ce souterrain-là servait entre autres à abriter des soldats et pouvait même abriter jusqu'à 1000 hommes dans chaque tunnel. C'est l'équivalent d'un bataillon d'infanterie. C'est quand même beaucoup. Et en prévision de l'attaque, on parle souvent du rôle de l'infanterie, mais il ne faudrait pas oublier le rôle extraordinaire, je ne sais pas s'il y a des soldats du génie parmi vous, mais le génie militaire canadien pour réparer les routes, construire les tunnels, aménager le terrain, envoyer le ravitaillement aux soldats sur la ligne de front, tout ça est à souligner également. Un groupe que j'ai oublié jusqu'à présent, les artilleurs, vous n'avez pas idée du bruit dans les semaines. Les oreilles me sillent juste en en parler. Dans les semaines qui ont précédé l'attaque. Je peux même vous inonder avec des chiffres, mais je ne travaille pas pour l'Auto-Québec. Des centaines de canons de tout calibre, des canons fournis par le Canada, mais également par la Grande-Bretagne, ont pilonné les lignes allemandes pendant des semaines. De vous dire que les soldats allemands ont viré fou est un euphémisme. C'est une évidence. Peut-être que vous avez lu sur la bataille de Vimy, avant que je vienne déblatérer là-dessus, peut-être que vous avez entendu parler de ces soldats allemands-là qui se rendaient en envoyant les Canadiens approcher. Pourquoi, d'après vous? Ils sont devenus fous. Ils sont devenus carrément fous. Ils ont été bombardés 24 heures sur 24. Il y a même beaucoup d'artilleurs canadiens qui sont morts parce que les canons surchauffaient, les canons leur explosaient en plein visage souvent, à force de tirer des obus. Mettre un seau d'eau sur un canon, ce n'est pas ça qui va le refroidir. Donc, ça a été un métier extrêmement, sans parler de la surdité, évidemment. On dit qu'à Vimy, il y avait, vous voyez la distance ici, il y avait un canon à tous les 20 mètres. Ça, ce n'est pas Carl Pépin qui invente ça. C'est la réalité.
Et autre particularité intéressante, les militaires vont peut-être connaître ce terme-là, c'est ce qu'on appelle le tir de contre-batterie. Ça veut dire là, que si moi je commande l'artillerie canadienne, mes canons tirent sur les positions allemandes, ça se peut-tu que les Allemands répliquent? Moi, je pense que oui. Hein? À l'époque, le colonel qui commandait l'artillerie de contre-batterie canadienne, qui est devenu général après, le général McNaughton, qui va commander l'armée canadienne pendant une partie de la Seconde Guerre mondiale. McNaughton est un ancien professeur de l'Université McGill à Montréal. McNaughton, dans son rapport d'après-guerre, estime que mes hommes et moi avons neutralisé 83 % des canons allemands en prévision de l'attaque de Vimy. 8 canons sur 10 qui n'ont pas tiré sur les soldats canadiens. Puis on a perdu des milliers d'hommes, rappelez-vous. Autre élément important d'un groupe qu'on néglige peut-être un peu trop souvent, ce sont les aviateurs. Les frères Wright ont inventé l'aviation en décembre de 1903 sur une dune de sable, pas loin de l'océan Atlantique, en Caroline. 14 ans plus tard, même pas, vous avez des aviateurs de 20 ans sans parachute, dans des coucous en bois, retenus par des bouts de bambou puis des fils de corde de fer, avec un manche à balles entre les deux jambes, le vent dans le visage, qui ont volé au-dessus des lignes allemandes pour soit chasser l'aviation ennemie ou, comme vous le voyez ici, prendre des photographies de la ligne de front. Pensez-vous que les Allemands vont se laisser faire? Ils vont dire, ah, c'est le fun, il y a des avions, ils prennent des photos. On va sourire, mais non. L'aviation sert notamment à guider le tir de l'artillerie. On survole ici, on voit très bien que la tranchée n'est pas bien détruite, donc il va falloir pulvériser ça. Pendant la bataille de Vimy, enfin, disons pendant le mois d'avril 1917, un aviateur sur trois, canadien ou britannique, va mourir au combat. Je ne vais pas parler des blessés. Ils vont mourir au combat. C'est ce qu'on appelle en bon français le « Bloody April », le mois d'avril sanglant. Et certains aviateurs allemands, dont le célèbre baron rouge Manfred von Richthofen et tout, ont fait un carnage dans les rangs des aviateurs canadiens et britanniques. Si on a perdu la bataille de Vimy à un certain égard, c'est peut-être au niveau aérien. Les Allemands avaient des tactiques supérieures, des machines supérieures. En bien des cas, il faut le reconnaître, ils ont gagné certaines portions de la bataille. L'assaut en tant que tel. Vous trouvez que j'ai parlé longtemps de la préparation, mais vous allez comprendre pourquoi. Le 9 avril 1917 à 5h30 du matin, les semaines d'attente de bombardement, de pilonnage des lignes ennemies sont enfin terminées pour les Allemands, je dirais. Il y a une petite neige qui souffle sur le champ de bataille et va commencer ce qu'on appelle, là l'artillerie bombarde, mais là ils vont commencer ce qu'on appelle un barrage roulant. Les premières tranchées ennemies, par exemple ici, qui ont été bombardées, par exemple, si à 5h30 on bombarde cette tranchée-là, à 5h33, trois minutes plus tard, le tir de l'artillerie canadienne va se déplacer 100 mètres plus loin. Et les soldats qui attaquent doivent suivre le plus près possible leur propre barrage d'artillerie et beaucoup de Canadiens sont morts comme ça. Puis quand je vous dis qu'ils l'ont suivi de près, là, c'est vraiment coller les obus dans le nez, là. Mais pour être certain que les tirs ennemis tombent sur les tranchées ennemies et qu'on puisse ensuite faire ce qu'on appelle un bond dans les tranchées ennemies et faire le ménage. 20 000 hommes sur les 80 000 vont figurer parmi les premiers à sortir. Et les soldats canadiens, j'ai vu une fois dans un film des soldats courir sur le champ de bataille. Il n'y a personne qui court sur le champ de bataille à Vimy. Quand vous voyez les équipements que notre ami nous a apportés ici, merci d'ailleurs, ça illustre bien mon propos. L'équipement du Canadien ici, ce qu'on appelle en bon français le webbing, ça c'est l'équipement standard de tranchée, les cartouchières, le masque à gaz en haut. Un soldat canadien en temps normal dans une tranchée va transporter peut-être 20 livres d'équipement. Les officiers sont toujours plus légers un peu. Durant la bataille, vous pouvez facilement tripler ce chiffre-là. Au minimum 60 livres d'équipement sur le dos. Alors, c'est impossible de courir dans ces conditions-là. Ils ont leurs fusils, une partie de l'équipement, des pelles, des pioches, des grenades, tout l'équipement, l'attirail nécessaire. Et la première chose qu'on remarque à Vimy, c'est une résistance ennemie à degré variable. Donc, les tranchées qui ont été bombardées beaucoup, bien, les soldats souvent vont en plus le réflexe de se rendre. Et ça dépend de la qualité des régiments auxquels vous faites face aussi. Ici, vous avez une carte de Vimy. Je vois que le temps file, mais je n'irai pas dans le détail, mais juste pour vous illustrer un peu le propos. Donc, vous avez le nord de la crête de Vimy ici, jusqu'au sud.
Notre armée canadienne à l'époque disposait de 4 divisions d'infanterie, simplement numérotées de 1 à 4. Je m'excuse pour la carte en anglais, mais 1, 2, 3, 4. Et chaque division combat simultanément à Vimy, donc ils sont tous en même temps. Première division, deuxième, troisième et quatrième. Et ici, vous avez Hill 145, c'est la côte 145, où se trouve l'actuel monument que vous pouvez tous visiter. Alors, vous voyez que sur 6 ou 7 kilomètres de front, c'était l'assaut principal. Et au nord du front canadien, il y a un corps d'armée britannique et il y a également des troupes britanniques qui attaquent une partie de la crête de Vimy. Donc, oui, Vimy, c'est une attaque canadienne, mais pas à 100 %. Les Britanniques étaient là quand même. Quelques faits saillants de la bataille de Vimy. J'ai fait des calculs vite. L'assaut débute à 5h30. Sur l'heure du souper, vers 18h, je vous dirais que la crête est conquise aux trois quarts. Ça a quand même bien été. Le problème survient ici. Il y a des nœuds. En fait, j'aurais dû le mettre au pluriel, le mot. Il y a des nœuds de résistance. J'ai même fait une faute ici, désolé. Sur ce qu'on appelle les côtes 145 et 120. Ça, qu'est-ce que c'est? Regardez ici. Je reviens un peu en arrière. Le terrain d'assaut ici pour les trois premières divisions est relativement plat. Là où les choses se gâtent, c'est dans le secteur de la 4e division, à la côte 145. Le terrain est beaucoup plus abrupt et les Canadiens, la bataille, en fait, sur l'heure du souper, le 9 avril, tout ça ici, le trois quarts de la crête, était capturé et ça a pris 3 jours pour capturer uniquement cette portion-là. Et le pire endroit, c'est écrit de Pimple, ici, ça veut dire le bourgeon. Ici, il y a une côte qu'on appelle la côte 120. Il y avait beaucoup de mitrailleuses allemandes non détruites dans ce secteur-là. Et ces mitrailleuses-là commençaient à tirer dans le flanc des Canadiens tout le long de la crête ici. Il fallait régler ça, nettoyer ça. Le problème, c'est que, rappelez-vous tout à l'heure, il n'y a presque aucune troupe de réserve disponible pour l'assaut. Les 4 bataillons canadiens qui se trouvent ici, numérotés dans la série des numéros 40, qui sont tous des bataillons de l'Ouest, Manitoba, Saskatchewan et Alberta. Et ça pourrait expliquer pourquoi ils accordent une grande importance à la bataille de Vimy aussi, ces gens-là, avec raison. Ces bataillons-là étaient derrière le front d'attaque principal vers la côte 145. Mais quand ils ont réalisé qu'on se faisait tirer dessus, le commandant qui commandait la division ici n'a pas le choix de prendre ces réserves-là, de les faire bifurquer ici, sinon ça aurait pu compromettre l'ensemble de la bataille. Alors, quand je vous dis qu'il y a eu une planification minutieuse, oui, mais je vous parlais des hasards de la guerre tout à l'heure, des imprévus, bien ça, c'en était tout un qui a failli compromettre la victoire canadienne à Vimy. Mais la position ici du bourgeon est tombée le 12 avril 1917. Et pour le reste, à la fin du 9, les combats étaient réglés ici. Donc, je vous ai dit qu'il n'y avait aucune réserve contre la côte 120. Et comme je vous l'ai mentionné, la 4e brigade, division, pardon, avec sa 10e brigade, a été obligée d'étirer dangereusement son front. Cependant, au 12 avril, les constats qu'on peut faire, bien d'abord, tous les objectifs sont atteints. Les Allemands se replient en bon ordre dans la plaine de Douai, un peu plus à l'est. Et les Canadiens ont connu d'énormes difficultés à exploiter le succès parce que les troupes étaient épuisées, les pertes étaient élevées. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, aucune réserve n'était disponible pour l'assaut, pour justement envoyer des troupes reposées, des troupes fraîches. Et conséquemment, les Allemands ont eu tout le loisir de réorganiser leur front. Oui, ils ont perdu la crête de Vimy, mais l'armée allemande n'était pas en déroute, loin de là. Et considérant la discipline de soldats allemands, bien, vous voyez un peu, ils ont pu se réorganiser. Cependant, je vous invite à regarder la photo ici. Vous voyez des Canadiens sur la crête. En haut, vous voyez la plaine de Douai. Et ici, c'est le village de Vimy. Le terrain est plus en, la pente est plus forte un peu ici, mais c'est une pente douce quand même. Et l'armée allemande s'est repliée vers les hauteurs de la ville de Douai et de Lens là-bas, que les Canadiens devront capturer en août 1917 avec de lourdes pertes également. Vous voyez, c'est ça comment c'est vicieux les combats de la Première Guerre mondiale. Nous sommes soldats, nous capturons Vimy, mais on sait que dans quelques semaines, il va falloir continuer à pousser l'ennemi plus à l'est. Les Canadiens ont réussi à neutraliser la menace de flanc que je vous ai parlé tout à l'heure. La planification était méticuleuse. Vous allez me dire, ouais, méticuleux, on a perdu 10 000 hommes. Bien, justement, on a seulement perdu 10 000. C'est triste à dire, mais c'est ça. Et ça demeure quand même une victoire très impressionnante dans le contexte de 1917
à l'époque où la guerre stagnait beaucoup. Quelques conclusions là-dessus. La victoire canadienne, c'est une victoire un peu inachevée. Elle n'est pas mieux ni pire que les succès remportés par nos alliés sur d'autres fronts. Le repli allemand n'est pas seulement lié à l'offensive canadienne, mais à la pression que les Français mettaient en même temps sur eux. Les forces britanniques plus au sud ont failli crever le front allemand devant Arras. Je vous ai dit que l'armée allemande n'est ni désorganisée, ni en déroute. Mais cependant, un point positif, parce que Pépin ne fait pas juste dire des choses négatives, là. C'est quoi que je voulais dire? Ah oui, ça va bien, je ne m'en rappelle pas, mais il y a eu un renversement du rapport de force en faveur des Alliés. Alors, la victoire canadienne a quand même été très utile en ce sens-là. Bilan des pertes du 9 au 12 avril, monsieur le député les a dit tout à l'heure, je ne sais pas où est-ce qu'il a pris ses sources, mais c'était juste. On parle d'environ 3 600 soldats tués, 7 000 blessés, pour des pertes de 10 000 hommes. Mais si vous comptez ceux qui sont morts dans les semaines et les mois suivants, ce chiffre-là pourrait monter un peu, je pense. Vimy, et là, ça fait mal. Là, je me fais cogner à chaque fois, mais bien solide, surtout par les universitaires, là. Vimy n'est pas un point tournant de la guerre, du moins pour le Canada et on pourrait dire pour les Alliés. C'est une victoire extraordinaire, c'est une victoire locale, mais l'armée allemande n'a pas été vaincue. Vimy est un fait remarquable, comme je l'ai dit. Il s'agissait aussi de l'aboutissement d'une longue lutte depuis 1914, mais c'est d'abord et avant tout un bel exemple d'intelligence tactique. Toute la préparation qui était faite. C'est pas les Britanniques qui nous ont dit de se préparer avec les maquettes là, puis jouer à Toys R Us là, devant le champ de bataille. Là. Ce sont les Canadiens. Et ça, vous pouvez être fiers de ça. Ce sont les Canadiens qui ont eu cette idée-là. Et bien sûr, nous tirons, comme à chaque bataille, des leçons profitables pour les combats qui s'en viennent. Dernier élément, si on s'éloigne de la bataille un peu, mais toujours en y restant un peu, Vimy, c'est une victoire objective. Il n'y a personne qui peut nier ça. Demandez aux Allemands qui se sont fait tirer dessus par les Canadiens, c'est une victoire objective. Les Canadiens ont contribué donc au repli de l'ennemi. Et pourquoi faire de Vimy une victoire éclatante? Je ne sais pas. Les Canadiens ont combattu simultanément, oui. Toutes les divisions ont attaqué. Les Canadiens ont remporté la victoire, oui, je ne peux pas le nier. Un plus un fait deux. Ça, je laisse ça à votre discrétion. Pour moi, Vimy est une... Moi, j'ai vu des batailles dans les livres d'histoire, j'ai vu des batailles en Afghanistan. On est habitué de voir des batailles, des étudiés. Pour moi, c'est une bataille parmi d'autres. Puis je ne dis pas ça dans le mauvais sens du terme, comprenez-moi bien, je vais être très clair. Je ne veux pas qu'on me reprenne là-dessus, dire « Ah, Pépin, il dit que Vimy, c'est un pique-nique. » Non, ce n'était pas un pique-nique. Non, ce n'était pas un pique-nique. Ce n'était pas une partie de plaisir. Il y a 10 000 hommes, des jeunes. Monsieur le professeur, tantôt, d'ailleurs, je vous félicite d'avoir cité Paul Valéry, c'est un bel exemple. Il y a 10 000 jeunes âgés de 16 ans à 45 ans qui ont été tués ou blessés sur la crête de Vimy. Pensez-vous que ça leur plaît de voir des historiens, des gens qui ne connaissent pas la bataille, voir des politiciens leur dire que leur sacrifice a été inutile sur la crête de Vimy? Non, mesdames et messieurs. Le sacrifice sur la crête de Vimy constitue la bataille représentative de l'expérience canadienne de la Première Guerre mondiale. Voyez le mot, le verbe ici, rassurer. Il faut se rassurer. Au printemps de 1917, il y avait déjà des dizaines de milliers de soldats canadiens qui avaient été tués au combat en France et en Belgique, et nous n'avions même pas encore attaqué sur la crête de Vimy. Qu'est-ce que vous pensez que l'opinion publique à Québec, à Montréal et à Toronto va dire de ça? Lorsqu'ils voient sur les murs les noms de ceux qui ont été tués, qui ont été blessés, ou lorsque les mères, les pères dans leur village, ici à Thetford, reçoivent un télégramme, imaginez-vous, délivré par le curé ou le maire du village. Il faut vous dire, mesdames et messieurs, l'armée est désolée. Ils n'ont même pas le culot, le courage de dire que votre fils est mort. Non, votre fils est porté disparu. Il ne reviendra pas. Donc, cette victoire-là de Vimy consistant en quelque sorte à rassurer une opinion publique canadienne et québécoise qui était désabusée. La symbolique de Vimy, je le fais depuis une heure, j'achève. Bien, remettez ça dans son juste contexte. Je fais ça depuis tantôt. Naturellement, l'œuvre du temps sur la mémoire et les événements. Il y a la vérité des faits et il y a aussi ce qu'on appelle les discours simplificateurs. La semaine dernière sur Facebook,
je vois une publicité, mais tellement grossière. Je ne vous dirai pas la source de cette publicité-là, mais en gros, ce qu'on voyait, on voyait le monument canadien. C'est une publicité en anglais. C'était écrit, je vous le dis en anglais, on traduira après, « The French fail, the British fail, but the Canadian court took the marriage. » Allô? 150 000 soldats français ont été tués, blessés, disparus sur la crête de Vimy. Au moins 20 000 Britanniques, en 1916, ont subi le même sort. Nous, les Canadiens, on en a juste 10 000. Sommes-nous supérieurs à ces soldats-là, alliés? Sommes-nous la main de Dieu sur le champ de bataille, qui avons agi avec des miracles? Il n'y a pas de miracle là-dedans. Les deux seuls miracles, si on peut les qualifier ici, ont résidé dans la préparation de la bataille et dans le fait d'avoir tiré de leçons des assauts meurtriers précédemment évoqués. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention entre la vérité et les discours simplificateurs. L'idée d'une victoire canadienne, on va embarquer sur un autre terrain que j'aime bien, celui de la politique. Notre armée, à l'époque, n'était pas une armée canadienne. Ce n'était même pas une armée au sens classique du terme. C'était un corps d'armée. C'est une fraction d'armée. Nous étions, du moins jusqu'en 1931, en ce qui concerne notre politique étrangère, subordonnés à la Grande-Bretagne. C'est la même chose sur le champ de bataille. Nous ne décidons pas, nous n'avons pas décidé d'attaquer la crête de Vimy. Mais au moins, les Anglais nous ont laissé le loisir de la planifier. C'est normal, si on va se faire tuer, au moins, on va avoir notre mot à dire là-dedans. Autrement dit, le corps canadien ne jouissait pas de ce qu'on appelle l'indépendance tactique et stratégique. Les Canadiens ont exécuté une mission, ils ne participent pas à l'élaboration de l'ensemble de la stratégie, la bataille d'Arras, entre autres. Et il est faux de dire, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, que seulement des Canadiens ont combattu à Vimy, parce que si ça avait été le cas, les positions allemandes auraient été pas mal moins détruites que ça. Les Britanniques ont contribué aussi. Vimy, vous vous en doutez, n'est pas la première et malheureusement ni la dernière bataille canadienne de la Grande Guerre. D'autres batailles vont suivre, des très meurtrières, notamment en 1910, je vous épargne les détails, mais ça a été épouvantable, les combats devant Amiens en 1918, entre autres. Vimy occupe ainsi, je pense, une place ambiguë dans, et la guerre en général aussi, dans notre mémoire à nous, les Québécois. Vous savez, nous, les Québécois, nous avons été affectés par la crise de la conscription. Il y a eu des morts dans les rues de Québec, il y a bientôt 100 ans de cela. La grippe, oui, merci, madame. La grippe, vous êtes une rescapée, d'une certaine manière. Vous l'avez eu? Wow, ça, je vais m'en rappeler. Tout à fait, Mme Roy, tout à fait. La grippe espagnole a affecté le Québec. 30 000 Canadiens français du Québec sont décédés, d'ailleurs. Cette mémoire-là au Québec, vous savez, nous sommes des petits Canadiens français, pour la plupart d'entre nous ici, qui servons dans une armée britannique où le fait français est à peu près ignoré. Nous avions un régiment, le célèbre 22e, et ça s'arrête là. Cette mémoire-là, chez nous au Québec, a du chemin à faire encore. C'est nous, les historiens, tout ce qu'on peut faire en étudiant non l'histoire, mais les traces du passé, c'est de vous guider vers des pistes de réflexion. Mais le jugement vous appartient naturellement. Chez nous, au Québec, notre plus grosse bataille, je pense, surtout au niveau du 22e régiment, a été la bataille de Courcelette de 1916 en termes de pertes, de sauvagerie des combats et tout. Vimy, pour nous, ça a été un peu moins dur pour le 22e régiment, mais quand même. Et des fois, j'ai l'impression que Vimy... Le nom est sexy, hein? Le nom est, tu sais, Courcelette. Tu sais pas de vendre Courcelette. Comment je vends Courcelette, là? Tu sais, ça, mais Vimy, c'est un nom... Pendant la Révolution française, ils avaient le célèbre nom de Valmy, les batailles où les Français de Napoléon ont vaincu des invasions étrangères. Vimy, c'est un nom qui se ressemble. Vimy a une connotation, on dirait, marketing, qui est un peu mieux. On dirait, c'est difficile à vendre quand même, surtout aux Québécois. Mais... Il y a des soldats canadiens-français qui ont combattu à Vimy, puis la couleur de la boue pour le gars de Thetford à Vimy ou le gars de Toronto est la même couleur. Là. Vous voyez, solidarité, encore une fois. Et j'achève vers l'idée d'un mémorial national. Vous voyez notre superbe monument ici. Après la guerre, pour nous remercier, le gouvernement de la République française a fait don au Canada d'un terrain d'une dimension de 250 acres environ. 1922. Le temps qu'on établit des plans, des devis, qu'on fasse des concours d'architecture et ainsi de suite,
Le monument a été construit en 1936, inauguré, pardon, en 1936. Aujourd'hui, encore ce matin ou cet après-midi, notre premier ministre, le président de la République, était là avec des milliers de dignitaires, des descendants des gens qui ont combattu là. Et Vimy se trouve géographiquement au centre des champs de bataille où ont combattu les Canadiens. Vimy est la première bataille où toutes nos troupes ont combattu ensemble. Et malheureusement, ça n'a pas été la bataille la plus meurtrière, mais ça a été une bataille utile dans les circonstances, assurément. Et c'est pour ça que je dirais que pour le tourisme, et moi je m'en suis rendu compte quand je travaillais là aussi, la Crète a vraiment un positionnement stratégique. Les gens arrivent de Paris, viennent à Vimy, vont faire un tour en Belgique. Vous connaissez ça, Mme Tardy, ce genre de parcours du tourisme combattant-là. Bref, Vimy a un rôle quand même très important à jouer en ce sens-là. Même Adolf Hitler a visité Vimy en 1940. L'armée française était vaincue, outrage national pour la France, et Hitler, qui se trouvait, n'était pas sur la Crète, mais dans les environs, au moment de l'attaque canadienne avec son régiment bavarois, bien, est venu, j'allais dire, rendre hommage aux soldats. Ça fait bizarre de la bouche d'Hitler, mais bon, prenons les faits objectivement. Il est venu sur la Crète avec son état-major. Il est resté 15 minutes environ, il a marché autour ici, puis après ça, il est allé parader à Paris. Eh oui. Mais cependant, Vimy, pour nous les Canadiens, bien, je pense que c'est assez clair, a contribué à construire, à forger notre identité nationale. Il y a un officier nommé Ross qui avait dit en 1936, au moment de l'inauguration, et j'achève, que nous avons l'impression que nous sommes devenus Canadiens sur la crête de Vimy. Nous n'étions plus des Anglais, des Québécois, des Ontariens, des Manitobains, ainsi de suite. Nous étions vraiment des Canadiens, une armée nationale. Puis moi, comme historien, j'étudie les mythes, j'étudie les batailles, j'étudie les gars qui disent qu'ils ont fait telle et telle affaire, mais finalement, on se rend compte qu'ils n'ont pas fait ça, ça. On essaie de dépoussiérer un peu comme des enquêteurs de police. Bien, si tous les historiens militaires, les experts de la Première Guerre mondiale s'entendent pour dire que la bataille de Vimy n'a pas été la pire de la Première Guerre mondiale, mais si les gens, les descendants des familles des 10 000 hommes qui sont morts, qui ont été tués, bien, si eux veulent croire que c'est un mythe, laissez-les croire que c'est un mythe. C'est notre mythe. Merci. Maintenant que nous comprenons mieux l'importance de la bataille de Vimy et ce qui la rattache au village de Vimy Ridge, notre devoir de mémoire n'en est que bonifié. J'inviterai Mme Tardy et Mme Céline Roy a procédé à un échange symbolique de deux volumes, un racontant la bataille de Vimy et l'autre, Mme Roy, qui est l'auteur de l'histoire de Vimy Ridge. Et voilà, nous avons la petite histoire de Vimy au Québec, Vimy Ridge. Mais merci, merci à vous de vous donner. Et moi, je vous remets Vimy. La bataille de Vimy, qui est un livre qui a été produit par l'Ancien combattant Canada. Donc, l'histoire est la petite histoire. C'est bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ne vous éloignez pas, on va avoir besoin de vous. Alors, on en est rendu maintenant au moment clé de la cérémonie. Est-ce qu'on place la plaque sur... Et j'inviterai Madame Tortier est déjà présente, j'inviterai les descendants, les gens qui sont décédés à la bataille de Vimy, Madame John Denning McCammon, une amie, approchez-vous, Monsieur Daniel Verret, bon procédé au dévoilement, Monsieur Verret, OK, est là présentement, ainsi que les vétérans, tous les vétérans, si vous voulez vous approcher autour de la plaque, on va procéder au dévoilement. Mais juste avant de procéder, je voudrais que les gens s'installent pour un moment de respect. Je demanderai à M. Sylvain Ross à nous interpréter une pièce de circonstance.
en mémoire des soldats canadiens qui ont participé à l'offensive de la crête de Vimy en France du 9 au 12 avril 1917. Reconnaissance aux quatre divisions du corps expéditionnaire canadien et à la brigade britannique qui ont accompli ce fait d'armes. À propos de cette guerre, John Jenkins Penney, ingénieur minier de la région et lieutenant-colonel de la 1e division canadienne d'approvisionnement, écrira en 1919 « C'est une partie de l'histoire militaire canadienne dont nous sommes fiers. » Inauguré le 9 avril 2017, Vimy Ridge, Québec. De Henry Denning qui a perdu sa vie dans la guerre mondiale, la première guerre mondiale. Oh, merci. Ça va mieux? Je suis John Denning. Mon oncle, Henry Denning, a perdu sa vie dans la première guerre mondiale. Et son nom his name is on the Vimy Ridge Memorial in France. Et gravé. Excusez-moi, mon français est pas parfait. Et je vais lire l'anglais. The plaque is in memory of the Canadian soldiers who took part in the offensive battle at the Vimy Ridge in France from April 9th to 12th, 1917. In acknowledgement of the four divisions of the Canadian Expeditionary Force and the British Brigade who achieved this force of arms. John Jenkins Penhale, mining engineer of our community and Lieutenant Colonel in the 1st Canadian Divisional Ammunition Column, wrote about that war in 1919. This is a bit of Canadian war history that we are proud of. Opened April 9th, 2017 at Vimy Ridge, Quebec. Demeurez en avant, on va procéder à une séance de photos rapidement. Et après, la chorale va nous interpréter deux chansons avant de procéder au vin d'honneur et à la visite, pour ceux qui le désireront, de l'exposition de la Première Guerre mondiale. Elle aurait été écrite vers le 17e siècle par un canotier
un coureur des rois qui voulait se donner de la vigueur. En 1939, l'arrangement militaire de Charles-Aunay en a fait la marche officielle du Royal 22e Régiment. Vive la Canadienne! Imaginez un groupe de soldats en permission dans un village français perdu. Ils boivent du vin, ils chantent en chœur, et ils oublient le temps d'une chanson, les horreurs de la guerre. La Madelon.